bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité People. D'ici et d'ailleurs, vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, la locomotive des émissions Actu People en Côte d'Ivoire, Buzz Croustillant News, c'est Fafa. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge de Fallé, la légende, en compagnie de la charmante et la célébrissime Yumi, la muse. Bien le bonjour. Bien le bonjour, Yumi. Comment vas-tu? Vêtu de rouge. Oui, c'est le soulevé déposé. Ah, répète encore. Le soulevé déposé. Ils n'ont pas bien entendu. Tu soulèves et puis tu déposes. Voilà, là ils ont entendu. Ça veut dire que si tu as pris une femme, qui tu sais que tu ne peux pas t'occuper d'elle, chez ses parents, tu vas la soulever. Alors, la déposer. C'est ça le soulevé. Ça t'a donné un travail. C'est ça, c'est le premier coup. Pas faire. On t'a donné un travail que tu ne peux pas faire. Tu pensais que c'est ton travail, tu as soulevé. Faut déposer. Si tu ne peux pas, faut déposer. C'est ce qu'on appelle soulever, déposer. Ah. On arrive. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste pétri de talent. Je pèse bien mes mots, pétri de talent. C'est un jeune qui, je dirais, qui a démarré sa carrière depuis un bon moment. Il arrive à faire la différence, à se faire remarquer à travers ses tests, à travers ses mélodies, dans un système où on ne comprend pas trop la tête ni la queue, mais lui, il arrive à nous donner au moins une tête et une queue. On parle de la musique de la nouvelle génération. Il est pour moi, je dirais pour moi, c'est mon avis personnel, l'un des meilleurs et l'un qui a les plus beaux sons dans ce style et dans ce registre, je dirais. Parce que pour l'instant, avant, les explications sont venues. C'est un registre d'abord musical. Mesdames et messieurs, nous recevons ici aujourd'hui, dans un Fafa inédit, Didi Yema. Bonjour l'artiste. Ouais, bonjour. Bienvenue chez toi. Comment tu vas? Ouais, ça va très bien, on est calé. Ça va bruit. Mais pourquoi t'as toujours l'air fatigué quand tu dis en fait, tu es. Chacun a son giga. Oui, franchement. Chacun a son giga. Non, peut-être que tu giga. Non, quand il vient, je suis tranquille d'abord. Voilà. Tranquille d'abord. C'est le calme avant la tempête. D'accord. Tu connais. Donc, au fil du temps, maintenant, tu as scellé. Tu vois, quand ça c'est. Tu vois. Tu montes, tu as scellé. Mais attends, tu es hip-hop man ou bien tu es diamant man, tu es décalé man. Je sais pas, parce que toi, ton style est là. On ne sait même pas où on t'est défini. Il faudrait qu'on qualifie ça. Il faut nous expliquer un peu. Parce que souvent, il me pose des questions sur son style, quoi. Non, il m'habille bien, il m'habille décemment. Voilà, il ne me plaque pas bien. Bon, tu te plaques pas bien, tu as dit quoi? Je suis décalé d'avant. Ah, champion, du coup, à présent, on est plaqué. Je ne suis pas dans plaqué. C'est la nouvelle génération. Quand tu me regardes, tu penses que je suis un rappeur, mais non. Oui, c'est la confusion, en fait. Voilà, il y a mettre le doute dans les choses. Dans l'esprit des gens. Oui. Mm. Donc, toi, tu es arrivé au niveau du coupé de cadeau, on dit qu'il faut s'aimer dans le doute dans l'esprit des gens. Enfin, ça, c'est dedans aussi. Non, il ne faut pas oublier les logs. Parce que quand tu y as dans son aussi, tu as pensé que c'est un artiste reggae aussi. Ah, voilà. Tu vois, toi, est mélangé. Parce que, en fait, dis-toi, c'est même pas moi, c'est assez même. Vous d'oreille, là aussi, en vrai, c'est le son, tu vois. Voilà. Et puis, Gaïa Gouel, elle est diable, son, c'est pas si des rappeurs. C'est bien fait. Tout est bien fait. Quand tu regardes, ça va être joli, sûrement. Ah, mais et toutes ces poches là, tu mets quoi dedans? On met le gel. On allait à gel, la pièce. Et puis avant quoi? Mais il y a quatre poches là. Même les baskets, tiens, tu vois. Il y a Wawa Dédé ici. Il y a Wawa Dédé. Aujourd'hui, Wawa Dédé, il faut que tu nous dises ça. Pas tout ça. On demande Wawa Dédé, ça veut dire quoi? Tu dis, ça veut rien dire. Comment ça veut rien dire? Ça veut dire quelque chose, mais. On peut dire, non, mais laissez comme ça, pardon. Non, on peut pas. Mais parce que tu passes. Tous les enfants chantent comme Wawa Dédé. Quand tu passes, on va dire les chansons de Wawa Dédé. Je ne sais pas si c'est un petit démon qui est derrière un coin là-bas. Les gens vont chanter, ils vont invoquer le démon, on ne sait pas. Ah, Wawa Dédé. Laissez. Ce qu'on doit retenir, c'est que c'est la danse d'Adengra, Wawa Dédé. Adengra. La danse d'Adengra, le footballeur? Oui. C'est lui qui a créé la danse. Non, c'est moi. Mais c'est lui, son truc, quand sa célébration, quand il finit. Des à chaque but que tu as. Mmh. Ah, d'accord. Mmh. Non, moi, c'est pas un statut visé pour aller prendre jeton et lui un peu où, mais. On s'est jamais croisé. On n'a jamais parlé. Ouais. Mais si tu lui as dit que c'est sa salutation à chaque but. Oui, il sait. Il y a une vidéo même. Non, ton normal, il doit te verser quelque chose pour la promotion. Non, mais, ça va venir le temps, forcément. Ça va venir forcément. On n'est pas pressé. Ah, pourtant, il te connaît. Ouais, je le connais aussi, mais. Bien sûr. Mais tu fais genre, mais tu as déjà passé. Bah. Non, il ne passe pas. Tout le monde va voir. Tout le monde va savoir que. C'est la piqûre sera. Aïe! Sera filmée. Tout le monde va savoir, mais aucun jet ne sera donné à quelqu'un. Pourquoi? Aïe, vous pouvez voir, mais vous ne pouvez pas prendre. Aïe. Ah. Mais tous ceux qui t'ont accompagné dedans, ils ne m'ont pas bouffé un peu. Qui m'a accompagné? T'es danseur, les petits. Oui, ça, on va gérer le ça. Le staff, tout ça là. À la maison, on va gérer ça. La go aussi va bouffer un peu. Oui, nouveau téléphone pour elle. A bien commencé, Fafa. Pourquoi? Pourquoi?
Mais on parle de la go en même temps, tu as commencé à faire. Je comprends. Il y a un problème avec la go ou bien. Ah, on nous expliquer. Non, il n'y a pas de problème avec la go. La go va bien. Ouais, tranquille. Elle va bien. Il n'y a pas un gourmet dans l'air. Gourmet, non. Ça, il a tiqué avant de lui offrir le deuxième téléphone. Ah bon, d'accord. Et si Benzine, il t'a donné le gourmet ici. Le parent va manger tout ça. Ça fait combien de temps déjà? Quoi? Que vous êtes ensemble? Non, ça reste personnel. C'est pas la Whitey. Quelle Whitey ça? La Whitey qui a quitté Bengue, rien que pour toi. C'est qui fait toujours tes challenges en premier là. Non. Qui ça? Anouk. Oui. Non, Anouk, c'est pas ma meuf. C'est ma camarade. Toi, Abidjan ici. Camarade ou moins camarade? Camarade à quel niveau? Non, c'est ma camarade. Atis n'a pas camarade. Faut pas faire ça. Non, c'est ma camarade. Tchè, moi, elle me soutient trop. C'est ma camarade. Elle te soutient comment? Atis, elle me soutient quand il fait sortir les trains, elle danse dessus. Et puis bon, tranquille quoi. Elle a dépensé millions. Avion, elle est venue. C'est pas pour moi qu'elle est venue. C'est pour la canne, elle est venue. C'est pas pour moi. Mais quand la canne est finie là, elle est restée encore. Deux fois. La canne est finie, elle est encore là. Donc elle a combien de temps? Elle a resté combien de temps? Bon, je sais pas, au moins 3 semaines. Et dans 3 semaines, c'est 2 fois seulement que vous êtes vu. Oui, deux fois seulement. Oui, en vrai, elle n'est pas venue pour moi. Elle est venue profiter de sa vie. Ouais. Mais tu l'as trouvé quelqu'un ici? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas elle a qui dans sa vie. Ah. Ouais. Alors, Didi Yeman, ça donne quoi l'état civil? Ah, ça donne un lunar, un bamelin, vigile. Quoi? Anderson. Toi aussi, tu es petit, non, le gourou, non, vous êtes d'accord. Non, faudrait qu'il répète. Parce que... Là, je ne peux pas répéter. Tu es jeune, quoi, puis tu as gros nom comme ça. Dis, ah, mais oui. Oui. Ça évolue vite. Mais c'est ça, ça doit être nous aussi. Ouais. Là, c'est la gamme qui est là. Bamelin. G-B-A-M-L-I-N. Bamelin. Il vient de l'Ouest. Oui. Notre ethnie, c'est Oubi, O-U-B-I. Oubi. Oui, Oubi, c'est vrai, taille qui glow, dépasse. Mais vous n'êtes pas beaucoup comme nous, les Niambois. On n'est même pas nombreux. On n'est même pas nombreux. C'est pas Oubi, c'est Oubi. Oubi. Ok. Mais ça, c'est que c'est pas très connu. Hein. Oui. Pourtant, nous, les Niambois, nous, on nous connaît un peu quand même. On n'est pas moi. Nous, je peux même dire que c'est ma première fois d'entendre. On est en alliance avec les BT. Oui. Parce que Bamé, nous, dans notre ethnie, au plus qu'on est en alliance avec les BT, ça veut dire blanc. Oui, c'est les morts. Voilà. Connaissez, connaissez. Vraiment, tu as vu, non? Non, tu donc, sois, imagine, non, je comprends. Tu vois, non, il représente je comprends, même les Oubi, même. Non, c'est bien fait. Tu représentes parce qu'il n'y a jamais de ça chez lui. Il n'y a pas un artiste, même tu as entendu Oubi, quelqu'un même qui est populaire, même. Même traduit moderne, il n'y a pas Oubi. Tu vois, c'est pour ceux qui commencent à rendre fier. Ouais, nous, chez nous, les trois, il y a moi, il y a grand-père, puis il y a Ben Bouli. Et qui ça? Grand-père, bon son, bon temps. Ça veut dire quand tu dis 1, tu dis 2, bon son, ils sont comme ça, dit à tes morts, que l'église. Voilà. Voilà. C'est mon cousin, man. Ah ouais. Moi, j'ai dit au moins, moi-même là. Non, nous, chez lui, il y a 3. Là, chez vous, il y a 3, chez lui, il y a 1. Et c'est bon. Mais oui, mais oui. Non, mais c'est bon, au moins, tu es une pierre rare, c'est important, c'est important. Mais au départ, tu débutes comme danseur. Oui. Chorégraphe aussi, non? Voilà. Oui. Danseur, chorégraphe. Après, vous séparez de la personne avec qui vous dansiez, toi et ton binôme, Pikachu, oui. Et vous formiez un duo. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce duo s'est vu divisé. Il n'y a rien de grave, on ne s'est pas trop entendu, on ne s'est pas compris. Alors, on ne s'est pas compris sur certains points. Raison pour laquelle j'ai décidé de bouger. Mais ça, c'est toujours fait des guerres. Non, ça n'a pas fait des guerres, c'est comme ça. Oui, il y a deux choses. Moi, j'étais comme son directeur artistique et son chorégraphe. Donc, on se concertait. Tu étais comme son directeur artistique et son chorégraphe. J'étais son directeur artistique et son chorégraphe. Pourtant, j'ai eu à le recevoir à la radio. Et il a inversé. Par contre, il a dit que c'est lui qui était ton directeur artistique et ton chorégraphe. Mais moi, je ne suis pas chanté avec le directeur artistique. Lui, il fait sa musique. Moi, il y a toutes les notes. Vous voyez le là, ici. Il y a les notes. Il y a les vocales ici. Mais c'est pas, on dit quoi? Vocaux ou bien vocales? Vocaux. Elle est vocale, non? Oui, oui. Ah, il y a les non, notes vocale, là ici. Une autre vocale. Oh bon, ok, c'est quoi? Voilà. C'est qu'il y a les notes ici, où il est en train d'enregistrer le son, et puis c'est moi-même, il est en train de chercher les paroles. S'il veut, je mets ça sur le micro ici. Et puis mais il disait que même les chorégraphies que tu faisais dans ce temps, quand vous étiez ensemble, c'est lui qui te démontrait tout ça. C'est lui qui me démontrait, et oui, puis... tu comment? Répétais. Non, il ne répétait pas, pourquoi? Nous deux, on dansait avec Safarel à la base. À la base, oui. Ouais, donc, il ne peut pas venir me montrer quelque chose. C'est nous, nous deux, on se concertait pour faire certaines chorégraphies ensemble. Oui. Voilà. Donc, il ne m'a rien montré. Seulement qu'il a décidé de chanter. Il a dit que, ok, il te suit, il te soutient. On a laissé le vieux père.
Il est parti au studio, on lui donne quelques idées aussi. Et puis c'est bien fait. Il n'y a pas quelqu'un qui a montré quelque chose à l'autre ici. Moi, il ne peut pas venir à la télé pour venir mentir. Moi, ici, là, ce qu'il sait, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Voilà. Mais après, quand vous quittez Safari Lobian et vous devenez artiste, toi et ton collègue, après, est-ce que ça n'a pas créé des frictions? Parce que là, vous devenez maintenant collègue de la personne avec qui vous travaillez à l'époque. Oui. Non, ça ne peut pas créer ça ne peut pas créer quelque chose parce que au moins le respect, au moins le respect. Au moins le respect. Voilà. Bon, partons sur le respect. Moi, j'ai vu récemment un live sur TikTok où j'ai vu Safarel, tu y étais aussi, je pense avec certaines personnes. Et Safarel qui disait comme ça que les petits que vous poussez à me manquer de respect, un jour, eux aussi, ils vont venir vous manquer de respect. Parce que moi, à l'époque, je n'ai pas manqué de respect à Yoro pour être là. C'est faux? Non, il n'a pas tort. Mais de qui il parle en fait? Il n'a pas tort, non. Bon, dans le direct, dans ce même direct, il a parlé aussi de la team des boys. Avec, il a parlé des artistes avec qui il a fait des feats. Des feats, oui. Voilà, moi j'ai pas encore fait de featuring avec lui. Ok. Mais il a parlé un peu de la team des boys et tout, il a dit que mais c'est réglé, tout est réglé. Voilà. Tout est réglé. Oui. Mais il s'est plaignait par exemple du manque de respect de certains parmi eux. Oui, parce qu'il y a eu, un certain discours avec Milito, avec Team Depoy, mais c'est passé. C'est passé? Oui, passé. Ok, ok. Mais est-ce que souvent aussi, la plupart du temps, comme on le dit si bien, on le dira, le karma, est-ce que tu penses que peut-être que c'est parce que lui aussi, il a eu quand même des discours aussi avec ses défenseurs aussi? Bon, je ne peux pas appeler ça le karma, hein, c'est la vie. C'est la vie? Chacun a sa vie en main. Ok. Si tu n'as pas su prendre ta vie, ça t'est tombé dessus, ça c'est clair. Parce que d'aucuns diront que quand ils ont vu le direct, j'ai reçu certaines personnes qui ont dit oui, mais que Safarel ne peut pas dire ça aux petits, que lui-même, nous, les grands, là, nous a fait ça. Bon, là, côté Safarel, là, moi, je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait. Moi, il dansait derrière lui simplement. Simplement, ok. Mais tu as pu voir des choses dans les coulisses, mine de rien. Oui, il y a vu des choses, le discours qui s'est passé entre les gros bras. Il était là, il a vu. Tu as vu, donc, tu te souviens de ce discours-là? Oui, mais c'est rien de grave. D'accord. C'est rien de grave. Ok. Alors, Didier, pour toi, le Biama, c'est un autre style musical qui n'a rien à voir avec le coupé décalé ou c'est du coupé décalé aussi? Le Biama, c'est une autre tenue du coupé décalé. Ça reste toujours le coupé décalé. D'accord. Ouais. Ok, mais pourquoi d'aucuns donnent parmi vous, souvent, quand on leur demande, ils disent que le Biama, c'est un autre style musical? Bon, je sais que tu rejoins Rena Brakissa qui a fait sa déclaration aussi, qui a dit que le Biama et le Maïmouna, tout ça sont dérivés du coupé décalé. C'est ce que lui aussi l'a dit dans son interview. Alors, et les autres qui disent que ce n'est pas le cas, comment toi tu leur réponds? Ceux qui ne savent pas, c'est qu'eux-mêmes sont en train de faire. Au cas de renseigner chez les créateurs et ceux qui font bien le Biama. D'accord. Au moins que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Le Biama, c'est du coupé décalé, mais seulement que c'est une autre tenue, c'est une autre manière de faire le coupé décalé, puisque ce sont à peu près les mêmes rythmes accélérés. Ouais. Et à peu près les mêmes ambiances reprises, mais accélérées aussi. Il y a Talakou encore dans Biama. Donc, on revient encore à la sauce. Ok. Ouais. Donc, alors, Didi, si je te demande par exemple parcours scolaire. Il y a le bac. Ouais, quand même. Licence 1 de cinéma production audiovisuelle. D'accord. Ok. Oui. Bon, tes parents investissent tout ça, c'est pour que tu ailles chanter, danser, sauter sur les scènes. Non, pas que ça, mais ils doivent aussi savoir ce que je veux. L'école sait beaucoup. Voilà, ça, c'est pas seulement. L'école ne sait pas seulement à travailler. L'école. D'accord. Il m'exprime bien aujourd'hui, c'est à cause de l'école. Tout à fait. Voilà. Il fait des calculs aujourd'hui à cause de l'école. Si on envoie un contrat qu'il doit signer, qu'il ne sait pas lire, il fait quoi? L'école m'a sauvé. Oui. Ouais, donc c'est ça. Mais avec une telle licence dans ce style audiovisuel, c'est un gros bagage. Est-ce que pourquoi est-ce que tu te lances pas? Ou bien bon, peut-être que tu diras que peut-être plus tard, puisque tu as déjà acquis les diplômes qu'il faut. Oui, on ne suit pas deux lièvres à la fois. D'accord. Voilà, donc je suis ma passion. Ma passion est devenue mon métier. Donc je me sens à l'aise. Dieu béni, c'est déjà bon. Et ce métier te permet de vivre, d'avoir un train de vie assez correct? Bien, très bien. Et juste après, c'est la musique qui fait ça. Mais si ta voiture là, tu as changé là, c'est la musique là aussi? Quoi ça, voiture? Oui. Tout ça, c'est la musique, hein. Ah, mais seulement donc, le vieux n'a pas complété dessus? Non, l'argent de mon papa, c'est pas mon argent. Mais pourtant, ta première caisse, c'est lui qui a donné? Non, c'est pas lui qui a donné. Tout c'est qui? Faux. Qui a donné? Tout à chiffre, comme bébé sans demande le dit. Toi, tu ne travaillais pas encore, tu as commencé musique. Quand ça a commencé à prendre un peu voiture,
Tout le monde a dit que c'est ton vieux qui a donné voiture. Toi, non, tu dis aujourd'hui que c'est pas ton vieux qui a donné c'est voiture. C'est pas mon vieux qui a donné voiture. J'ai fait mon anniversaire. Oui. D'accord. Ils sont venus me faire plaisir. Il y a eu 5 millions minimum. Voilà, mm-hmm. Il a pris une petite voiture d'abord, dans les débuts, une petite voiture. Après, maintenant, pression, tout ça commence à monter et changer ma voiture. C'est combien de millions déjà? Je ne me rappelle plus. Quoi ça? La nouvelle voiture. Là. La nouvelle voiture, ouais, ouais. C'est aux environs 15-20 millions. Yeah. C'est bien ma sauté, revenir là qui donne oui, ça. Oui, mais c'est ça. Il faut savoir. Je dis, Yemassu, tu t'es lavé quelque part, dis la vérité. Lavé. Parce que si ce n'est pas l'argent de papa. Moi, mais lave à la maison chaque jour. Et qu'est-ce que ça va? Si tu veux même. Tu es méchant. Ah, tu vois la pub là. Tu vas pas te laver dans les marigots comme les autres. Tu vois, non. Mais de ta génération actuelle, on va dire Biama, coupé, décalé, tout ça, quels sont, on va dire, ceux avec qui tu te sens un peu en concurrence? En concurrence? Oui, genre, tu sais que lui là, il est en train d'arriver un peu vers toi. Souvent, tu le dépasses, souvent, il te dépasse. Non, il n'y a pas de concurrence. Hein. Pourquoi? Il n'y a pas de concurrence. Dans une famille, il n'y a pas de concurrence. Mm-hmm. Voilà. Donc, pour vous, là, c'est famille? Oui, dans une famille, il n'y a pas de concurrence. Ceux qui sont à la hauteur du Biama, il y a la team des Boy, il oui. y a Pikachu, il mm-hmm. y a moi, il y a Azazu Satellite, il y a Ramsès, il y a tout le monde, il y a Roma Chiaga, on avance. Oui, mais vous voilà. Challengez quand même. Oui. On fait quoi? Vous challengez. Oui, mais on se soutient, moi, et dans ce sens de tout le monde, il faut partir réellement sur ma page. Déjà. Ok, donc du coup, vous vous soutenez en fait. On se soutient, dans tu fais soutien, donc tout le monde danse dessus. Il n'y a pas de concurrence. Okay. C'est fini ça. Ça, pourquoi il y a certaines personnes qui te trouvent arrogant, arrogant. Qui te disent, non, lui, quand je parle, il dit, oh non, c'est pas le petit qui a grande bouche là. Oui, c'est le petit, il parle trop, il aime trop se donner un genre, il n'a pas d'humilité. Pourquoi? Mm-hmm. Pourquoi on te colle ces étiquettes? On ne sèche pas les dents de tout le monde, ça, on voit le non-respect en fait. Tu vois, là. Mm. On ne manque pas les dents de tout le monde. Il faut se donner un genre. C'est un artiste, chacun a son charisme. Bah, qui dit artiste en respect? Chacun a son charisme. Lui, il est arrivé hier là. Ceux qui me connaissent, voilà, les artistes, ils savent. De protéger. En tout cas, moi, je dis personnellement qu'il y a deux visages. D'accord. Voilà. Visage artistique et puis visage de tous les jours. Ici à la maison, mon staff, tout le monde me connaît. Ceux qui me connaissent réellement, mm-hmm. ils savent qui je suis. Voilà. On te voit très souvent, en tout cas personnellement, je te vois très souvent tourner avec ton petit frère. Oui. À quel moment l'enfant l'étudie? D'abord, il tourne avec moi que les vendredis soirs et les samedis. Que le week-end? Oui. Il va pas aussi dans les bars, ça c'est clair. Il ne danse pas avec toi dans les bars? Il ne danse pas avec moi dans les bars, non. D'accord. C'est concert, festival, et les trucs, les galas, ou bien ma démo, ou mon clip, c'est tout. Voilà. D'accord. Est-ce que tu le suis assidûment aussi pour ses cours oui, à l'école? Trop même, trop. Mmh. Et les résultats sont convaincants? Oui, bien. À chaque moment, il a de bons résultats. Il y a un cadeau à la suite, donc il sait déjà. Non, là, son prochain cadeau, tu vas lui offrir une caisse, quoi. Il est trop jeune pour ça. Mais au passage, le bac le plus attendu, Thomas Leroux a eu. Ah, il a eu BPC. BPC, voilà. Le BPC le plus attendu. Eh, BPC, vas-y. Pardon, le BPC le plus attendu. Lui-même, il sait que s'il n'est pas eu là. Il sait que s'il n'est pas eu là. Il a chargé sa vie. Ah, il a Côte d'Ivoire, elle est déchargée. Alors, récemment, tu étais à Paris, les rues sont climatisées. Expérience. Premier Gawa à Paris, qu'est-ce que ça donne? En tout cas, il cherche. Non, mais, genre, côté fraîcheur, moi, j'étais habitué. Comment ça? Non, sérieux, j'ai dit tout dans climatiseur. Quoi. Climatiseur plus ventilateur pour dormir. Tu dis quoi? Il te parle de quelque chose, maman. Demande ah, on dit les factures augmentées, et toi tu glisses les deux. Oui, mais ça vient 300 000. Tu payes. Ouais. Paye. Ouais. Donc les rues climatisées de Paris, tu descends dans ton ventilateur, ton climatiseur là. Mais maison. Si, tu as tout dit vieux. Ah, dis mais c'est les rues là. En tout cas, ouais. Attends, froid de Paris, que moi je connais, où tu touches ton oreille, et quitter, tu tombes dans ta main là. C'est non, ça, mais quand je suis parti là, c'était pas trop. C'était ah pas ouais, trop peut-être fort. Que tu es arrivé peut-être ouais. au printemps. Mais si. D'accord. C'était pas trop mais fort. Si tu étais arrivé à la période hivernale. Tu allais lire. Voilà. Tu allais lire l'heure. Ah. J'allais parler sur les hibou là, là-bas. Yeah, c'est là où tout le monde disait Zabouli Gouli. Toi, t'es même en train de Zabouli. Tu connais, où t'as vu c'est les gangs qui allaient poter maintenant. Ouais, c'est ça. Alors là-bas, des spectacles, tu as fait des concerts dans les salles et tout. Ouais, pas vraiment concert dans les salles. D'accord. Trois showcases à Paris, un showcase à Lyon. Ok, tu restes combien de temps? Deux semaines, quelques jours, hein, deux semaines, trois jours. Oui. Ok, deux alors, mais comment tu as trouvé ton séjour et comment tu as trouvé la ville de Paris? Les gens sont sortis pour moi, ils m'ont montré que j'ai fait du bon boulot, que ma musique voyage. Voilà, donc quand on dit Didier, moi, doit venir dans tel coin, c'est rempli, je serai même pas à la place. Ok, voilà, donc, okay, ça fait plaisir quoi. Tu as déjà touché un joint? Un quoi? Joint. Tu t'es déjà drogué souvent? Non. Moi, je ne me drogue pas. Hein. Je ne fume pas. Tu bois pas? Et bois.
Tu n'as jamais flashé. J'abuse pas. Tu n'as jamais flashé Cali. Tu bois, mais tu abuses pas. Il n'y a jamais quoi? Flashé Cali. Non, il ne fait pas ça. Tu n'as jamais me vendu de faire ça. Dans vos. Là, il n'y a jamais. Ah, tu es prêt, c'est un coup pour le. Non. Non, il ne filme pas. Hein. Non, moi, il ne filme pas. Ouais. Alors, Didier Yéman, tu as pour manager général une femme. Mm-hmm. Mm. Manager artiste, tu prends femme. Oui. Pourquoi? Parce que dans les débuts, c'est plus facile. Comment ça? Comment? Explique-moi. Dieu. Sois réaliste. D'accord. Si un garçon vient te demander de l'aide et une femme vient te demander de l'aide, tu as choisi la femme là d'abord. Parce que c'est une femme. Bien oui. Sûr, oui, ça c'est clair. Non. Ça là, c'est pas discutable. Oui, ça c'est pas discutable. Déjà, on est bon. Elles ont bon. Bloqué mon manager. Ah, elle est venue te demander d'être ton manager. Elle n'est pas manager à la base. Oui, parce que qu'il a rendu manager. C'est lui qui l'a rendu manager. Mais qu'est-ce qui a pu motiver? Parce qu'un manager, il y a le travail, il y a le carnet d'adresse. Justement, le carnet d'adresse aussi. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Elle a fait des voyages. Elle connaît beaucoup de personnes mm-hmm. à la télé comme dans les showbiz. D'accord. Donc, il a dit pourquoi ne pas la prendre en même temps pour faire. Effectivement, moi je la connais avant de l'envoyer. Donc, vu son bagage, tu t'es dit donc, pourquoi, dit ne, pas... pourquoi ouais, ne pas l'utiliser. Mais dans les tournées, là, souvent il y a une solitude. Je sais que vous, les artistes, les hommes, souvent il y a une solitude qui vous prend dans les tournées. Et puis bon. Quel genre de solitude? Tu n'as pas un chargeur pour mon téléphone. Mon téléphone ne charge pas. Tu as du vécu, hein. Explique-moi. Je dis ce que j'entends. Je dis ce que j'entends. Dans les tournées. Bah, elle vient taper chez elle. Elle vient taper la chargeur. Non, tu vas faire ça là. Pourquoi? Non, c'est pas bon. C'est pas pourquoi? Bon. C'est pas bon. Allez, pourquoi c'est pas il bon? Il sait tout, ton téléphone peut être déchargé. Elle vient taper la chargeur. Non. Il y a des danseurs qui ont chargé. Non, mais peut-être que c'est pas la même marque. Non, mais venez me donner et puis parti. Est-ce que les danseurs peuvent avoir. Moi, depuis avant, on peut avoir dit. Il y a un détail par rapport au programme, j'ai oublié de t'en parler. Oui, est-ce que je peux rentrer 2 minutes? Oui, tranquille. Et puis elle rentre 2 minutes. Oui, et puis elle sort 1 minute après. Même si t'es déjà allé. Aïe. Elle rentre 2 minutes même. Elle sort 1 minute après. Comment? Ah, tu rentres 2 minutes, tu sors 1 minute après. 1 minute. Ah, tu rentres 2 minutes et tu sors 1 minute après. Une minute d'accord. Mais toi, tu rentres 1 minute. Voilà. Donc, vous êtes comme des hommes, expliquez-nous. Explique-moi, attends, dis-moi. 2 minutes qui deviennent 1 minute. Tu rentres 1 minute dans le manager, 1 minute seulement, tu rentres. Dis non. Ah, d'accord. Tu fais des avis. Non, c'est pas ça. Ah. Mais non, on n'a jamais eu à te dire, ah, ton manager est en fond. Hein. Oui, ils ont tendance à me dire ça, mais ils n'ont qu'à gérer ça avant. C'est une femme, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais alors, toi, quel est ton genre de femme? C'est skinny ou apuchu? Skipuchu. Oh, le manager est skipuchu. En plus. Ah, c'est sévère, ça. T'es un clair ou bien t'es noir? T'es un clair ou bien t'es noir? Pas de préférence. Tu prends toutes les couleurs, mais seulement skipuchu. Mais t'es vraiment avec propre. Manager est propre. Ouais, très propre. Très clean. Ah, attends, donc vous faites allusion à mon manager? On n'a rien dit. En référence, c'est un peu de trucs. Non. Mais sinon, toi-même, en sûrement. Un célibataire ou en couple ou en démarche ou à peu près. Tu en réflexion. Quelle est ta situation matrimoniale? Je ne suis pas un cœur à prendre, en tout cas. D'accord. Ah, en tout cas, tu n'es pas un cœur à prendre. Le corps est en location. Le corps est en location. Je ne suis pas encore marié, mais je ne suis pas un cœur à prendre. Oui, mais le corps est en location. Dis-moi, vous, quand vous commencez à parler quoi, est-ce qu'il n'y a pas une gnaille que tu jettes dans un couloir là-bas? Oui, nous, les artistes, on vous connaît. Hein? La marraine. Oui, la marraine, ouais. J'ai une fameuse marraine. Oui, la marraine. Après, on va saluer tous les vendredis. La marraine, après, on entend là-bas. C'est qu'un petit charré. Yuri, comment? Moi, ils sont pas un peu. Mais comment? Mais Yubi, attends, le gars, il a beaucoup de marraines, tu dis là. Oui. Mais les marraines, on sait que quand les enfants là sont frais comme ça, elles sont sueux. Ah là, là, il pleut. Elles ont besoin de chaleur. Bon petit. Ah, le bon petit. Non, il n'y a rien de c'est quand le petit, il est bon, il a du goût. Ouais, il n'y a rien de tout. Donc, il passe souvent. Ah, bonsoir. Ah, mon petit, deux jours, tu n'es pas venu me saluer là. Quand il rentre là. Bonsoir. Jette-moi un peu. Bonsoir. Non, ça n'arrive pas. T'inquiète. Ça n'arrive papa, pas. Il est majeur maintenant. Il a seul sa caisse, donc il ça peut. Ça n'arrive pas. T'inquiète pas. Alors, dis-moi, tu as grandi dans quel quartier? Yopougon, Sikoji. Je suis né à Yopougon, à la maternité de Yopougon.
Sikoji, mais j'ai grandi à gauche, Nyango à gauche. Ah, tu es de Nyango à gauche. Oui. Ok, d'accord. Alors donc, le Biama, ça naît dans votre secteur? Ça naît à Yopougon. À Yopougon, oui, on va dire à Yopougon. Sikoji, nouveau quartier. Nouveau quartier. C'est les deux quartiers où naissent le Biama. Ouais. Mm-hmm. La base et même, en fait. La base, en fait. Et au départ, c'est quoi? C'est un mouvement d'enfants, c'est un mouvement de jeunes. Pourquoi est-ce qu'on assimile forcément cette manière de danser aux enfants? Non, c'est les enfants qui aiment le Biama. C'est pas, voilà, c'est pas nous, on a choisi les enfants pour dire des faits. C'est eux-mêmes qui aiment le Biama parce que c'est comme les gens qui sont au quartier qui ne savent pas trop danser. Mm-hmm, et puis ouais, quand ils viennent danser, les gens ils sont contents. Au fait, ouais, c'est un pas de danse des personnes qui... Il n'y a pas trop à se prendre au sérieux pour danser ça. Voilà, c'est ce que tu fais. Mais seulement que maintenant, c'est devenu un peu structuré. Mm-hmm. Mais sinon, à la base, on ne sentait pas le... En fait, c'est comme quelqu'un qui est décalé de la musique, en fait. Exactement. Mais si, ça ressemblait. Mais si, c'est ça. Et les pas de danse sont très rapides. Oui. Ouais. Les pieds, les mains vont très, très, très vite. Ouais, ouais, ouais. Et ça, comme il a dit, c'est des mouvements qui deviennent... Et puis tu fais... Wow. Okay, ok, mais il y a certains quand même mouvements qui sont restés légendaires dans le justement, truc. Justement, justement, c'est et ça. Et ça date de combien de temps? Le concept, ça date de combien de temps maintenant que ça existe? Le Biama. Mm-hmm. Moi, en tout cas, moi, selon moi, je peux dire que c'est depuis manger chier des safaris le Biang. Oui, que moi j'ai bien vu depuis manger chier. Et puis avant même manger chier, il y avait un truc qu'on appelait Poro Biama et tout et tout 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 tout. Ok, il y avait un truc Poro Biama, mais ça date hein, manger chier. C'est pas maintenant, c'est une histoire de 10 ans arrière. Ouais, tu vois, vieux. Okay. Donc, c'était pas pris, on va dire quoi, au sérieux avant, ou bien il y avait d'autres concepts qui étouffaient ce concept-là? Non, c'est pas qu'il y avait d'autres concepts. Arafat, père à son âme, le vieux Mora, il était tout en tas. Ouais. Okay. Voilà, il était tout en tas, ce qui faisait qu'on lui regardait plus. On lui regardait plus. S'il avait pris le Biama, tu allais voir ça allait venir rapidement. Ouais. Mais quelle est la différence aujourd'hui quand tu regardes par exemple le Biama? C'est vrai, mais ça fait penser un peu aussi au Konami. Oui, ça fait penser au Konami, justement. On peut dire que c'est du Biama, mais ils ont mis Konami dessus, donc on accepte. Ouais, parce que je vois quand même pas mal de gestuels de Konami qui se retrouvent à travers tous ces pas de danse. Ouais. Ok, donc tu disais comme ça qu'à l'époque, c'est parce qu'Arafat était tellement en tas que peut-être que c'est pour cela qu'on ne voyait pas peut-être, tout. Peut-être, ouais, selon moi. Selon toi, ok, il avait plus de visibilité, il avait occupé toute la visibilité du mouvement, on dira. Donc tout est concentré plus sur les roucascas. Mais à l'époque, toi, tu étais bon danseur de roucascas aussi avec Safarel. Oui, bien, bien. Mais moi, il faisait pas les roucascas où genre... Où on faisait les saltos là. C'était, il savait faire, mais c'était rare. Ah ok, dans ceux qui faisaient le salto, tu n'y étais pas vraiment. Voilà, c'est ça. Alors, moi, je trouve assez léger tes pas de danse de Biama à toi. C'est-à-dire, je trouve ça assez easy. Je trouve que n'importe quel âge peut danser les pas que tu proposes. Justement. Mais les autres, là, c'est un peu compliqué. Donc, faut parler un peu à tes collègues, en fait. Mais, non, en fait, chacun a sa manière de travailler. Quand moi, je travaille, je peux faire des pas qu'ils font. Ok. Mais... Je me mets dans la peau de quelqu'un qui ne sait pas danser. Ok. Tu vois, tranquille. Ouais. Mais c'est du Biama. Ouais. Tu mais vois, c'est tranquille. Surtout si on a les chaussures chères, les trucs qu'on ne peut pas faire. Tu vois, non, vieux. Ouais. Voilà. Donc, les habits chers aussi. Justement, comme un danseur donne quelque part et dit que non, toi, tu sais danser. Ça veut dire que tu fais ça comme ça. Mm-hmm. Donc, il peut appeler quelqu'un dans la rue. Ah, il faut faire ce qu'il a fait. Dès qu'il n'arrive pas, on change. Allez, direct. Tranquillement, c'est comme ça. Ouais. Ce qui fera que tous mes concepts seront faciles. Ouais, ça, c'est une bonne chose. Mais pourquoi, avec tout ce palmarès, ces concepts et tout, il n'y a pas encore de prix? Pourtant, on te nomine à des endroits, dans des spectacles, mais il n'y a pas de prix. Non, il y a des prix là. Ça a venu. Hein. Moi, je dis ça a venu. Hein. Je n'jalouse pas quelqu'un pour un prix. Parce que l'année passée, c'est Ramsès qui a pris. Oui, Manadja a confirmé aussi. Manadja a confirmé aussi. Oui, mais ce n'est pas il est plus fort que toi. Ah, peut-être. Peut-être il est fort que moi. Mais là, les gens vivent aux États-Unis là. Aïe, donc on s'en vit aux États-Unis, une fois que tu dis. Il dit, vous dormez. Donc, qui vous ça? N'allez pas trop vite pour lui. Donc, lui, va non, où la moi, musique va vite. Moi, il dit toujours que Manadja a confirmé en train de réaliser ses rêves. Mm-hmm. Voilà. C'est vrai, c'est le rêve de tout un artiste. Mais merci à ceux qui l'aident à réaliser vraiment ses rêves. C'est important. Mais est-ce que toi, t'es plus fort que Bébé Sans Diamant? Non, il est tchèque, Bébé Sans Diamant, qui est fort que mon con. Tu vois pas son truc qui fait en bas. Ah, bon d'accord. Si t'es dit que t'es plus fort que ça. Il a pas de il va me tuer. Ah, bon d'accord. Vas-y, moi, fais ça. T'as fini ton dos au sol. Tu vois, t'as vu le cadavre. Il dit, le cadavre. Il y a le cadavre. Il dit, c'est pas passé café et des blanchisseurs qui se trouvent dans le placard. T'as vu le cadavre. Ah, il dit, c'est pas payé café et blanchisseurs que tu te trouves dans le placard. C'est 10. Hey, tchèque, moi, le bonheur.
Mais mine de rien, il est influent. Le Kada, Kada. Mine de rien, il est influent. Tu le mettrais dans la catégorie d'artiste ou de, d'humour à public? Pourquoi tu présentes humour? Pourquoi tu fais cette proposition? Non, je te demande, parce qu'il y a certaines personnes, quand on... amuseur public, il y a certaines personnes, quand on leur dit que c'est un artiste, dis non, c'est un amuseur public. C'est un artiste. Qui chante quoi? C'est un artiste. Il chante le Borokoji. De quoi? Le quoi? Vous amusez mon artiste. Hein. Attends. Le Borokoji. Vous, les artistes, nouvelle génération, vous nous mettez dans quoi? Mais c'est lui qui dit, il chante Borokoji. Moi, je dis quoi? Donc lui, où est ton esprit contact, t'as aussi. Ah, non, on est là pour ça. Borokoji, non, Borokoji. Borokoji, non, Borokoji. Et puis tu arrives à chanter ça. Hein. Aïe, c'est lui, c'est mon artiste. T'as dit, t'as amusé. D'accord. Bébé, ça, on se dit, ah, le Kada. Pas t'amuser, maintenant. Attends. On a le déclencheur. Ah, ah. Ça. Alors, d'accord. Mais aujourd'hui, quand tu regardes la situation de notre artiste aussi, parce que vraiment, il est retenu au village. Qui ça, congélateur? Congélateur. Ah, c'est dans l'ordre. Tu vois que d'où laisse, non? Ah, pourquoi tu lui dis mais, ça? Mais ça l'a laissé, non? Pourquoi tu lui dis ça? Ah non, ça l'a sûrement. Mais c'est parce qu'il allait se reposer là. Comme il allait se reposer, tu penses que tu as pas le relais? Non, lui aussi, il courait moi. Oui. Quand c'est congélateur même, ouais, qui court moi dans la vie même. C'est congélateur qui court moi. Non, il est talentueux. Il est, la, mais la, lui, 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 il sait chanter. Mais lui, il sait chanter. Oui. Congélateur, il sait chanter bien même. Il sait chanter vraiment. Il faut penser à faire un feat avec. Ça, c'est un artiste qui est là. Non, non, il a votre disposition. Bien, il y a une session. Il aime bien, bien. C'est bon. Si, non, congélateur, c'est un artiste chanteur. Franchement, ouais, au niveau chant, je ne sais pas. En plus, c'est le dévancier des managers confirmé, du coup. Ouais. Ouais, c'est le dévancier des managers. Mais faut pas dire ça. Il n'aime pas, hein. Ah, c'est le dévancier. On fait comment? On est obligé d'accepter. Bon, alors, dans votre mm-hmm, mouvement, là, hein, mm, qui prend la couronne? Parce qu'actuellement, on cherche l'héritier du coupé décalé. C'est qui pour toi? Ne cherchez pas l'héritier du coupé décalé. Pourquoi? Chercher à danser. Chercher à relever tous les artistes. Parce que tout le monde dit c'est qu'il Dieu est le même, roi. C'est Dieu, chacun. On a reçu un CD, le président t'a proclamé coupé décalé. L'autre aussi dit c'est lui. Eliou qui dit c'est lui. Bon, finalement, on ne sait pas coupé décalé là. C'est qui porte? C'est Arafat seul qui se donnait un titre et puis c'était la vérité. Dans les autres, là ils disent, là, mais. Là où on est là, c'est mm-hmm, les fans qui te donnent un titre. Et puis c'est Dieu parce que chacun n'a pas la même destinée. D'accord. Voilà. Si Dieu a dit que moi, mon son va parcourir le monde jusqu'à... Ça va parcourir. Tu as venu dire que c'est moi ici, je suis le number one. L'autre aussi va faire sortir son son, ça va faire la même chose. Tu as dit c'est lui. Donc, tu vois, laissons et puis faisons lever les artistes. C'est mieux. Mais et Léo qui dort? Qui ça? Léo. Comment Léo dort? Qui ça Léo? Mister Léo. DJ Léo. Ah. Ah, il dort comment? Ah, il dort. Non, il dort pas. Mais c'est lui qui avait dit qu'il est artiste à dormir. Ah. On lui met à l'aile, on dit. Il avait dit s'asseoir, il dit les autres artistes. Donc pourtant, c'est lui-même qui dort. Hey. On dit qu'il dort la course à tout être. Je vais pas te la question. Léo même est venu s'asseoir sur plateau. Quand il dit vous dormez. On dit quel artiste? Il dit lui, il dort. On dit tel artiste, lui, il dort. On dit quel artiste, lui, il dort. Voilà. Donc tous les artistes allaient là. Quand on dit et Léo, ils disent le voir taille de son artiste. Mais là, il a sommeil. Moi, côté, ce sont les vieux pères. Moi, il n'y avait pas quoi pour rentrer dans les trucs de. Voilà, moi, il vient d'arriver. Donc, tu ne sais pas s'il dort ou pas. Les fans sont tous. Voilà, faut pas, il veut pas. Voilà, dès qu'il a dit quelque chose ici, ils vont dire que ah, toi, tu viens d'arriver, ben, tu as fait 200 appris, ou mais tu as fait. Pardon. Mon vieux m'a dit Léo. En tout cas, si tu dors, il faut te réveiller. Fais une ressort, on fait un biama, je suis là, moi je suis là. Ah, tous les gens sont là, pas pour le réveiller. Ah, mais si, on fait biama ensemble. On chante pas quelqu'un qui dort. Non. Il faut déjà le réveiller. C'est un monument, hein. Ah, faut pas t'amuser, hein. C'est un monument, hein. Et... Ouais, mais même si c'est un monument, mais si le monument peut ronfler. Ah. Si, il ronfle. Il dort comme un ours à l'heure, là. Faut le réveiller. Sa période d'hibernation a terminé. C'est une vedette. Non, l'idée Léo, il arrive bientôt. Il arrive bientôt. Il a des projets en cours. Ouais. Il arrive à sortir bientôt. Ah, alors, Didier Yéman, aujourd'hui, quelle est ton actualité, disons, musicalement? Tu ne peux pas encore un nouveau tube, une nouvelle bombe? Parce que bon, le Wadé n'a pas encore fini de faire le travail. Il ne faut pas que tu aies venu. J'étais et tu fais ça rapidement. Ouais. Vous, c'est non, ça votre affaire aussi. Non, pour l'instant, c'est Wadé. Voilà, il faut laisser ça respirer un peu. Avant décembre, il y a 3 sons qui vont sortir. 3 avant même temps. Décembre, 3. Non, moi, il n'est pas tête. Ah. Avant décembre, il y a 3 sons qui vont sortir. Le prochain, c'est Domondji.
Est-ce que c'est pas le fait d'avoir trop de locks qui te fait accélérer les choses comme ça? Non, Do Mon Dieu, c'est un oubi. Ah, c'est un oubi, ça veut dire quoi? Ça veut dire viens danser. Ah, Do Mon Dieu. Ouais. Do Mon Dieu. Do Mon Dieu. Mais pour bien parler, Do Mon Dieu. Do Mon Dieu. Mais donc, Wawade, là, c'est dans ton ethnie alors? J'ai. C'est en quoi? Il dit qu'il ne faut pas chercher à savoir. Il faut parler. Et vous, les artistes, vous avez fini à mettre incantation de votre pratique là dans la chanson. Le mot Wawadede, il faut considérer que c'est la danse d'Adingra. Laisse le mot là pour moi. Ok, donc considère que le mot, c'est la danse d'Adingra. Voilà. Ok. Bon, Yumi, c'est l'artiste qui a dit. Ouais, elle dit, si un enfant tombe en transe, elle dit c'est sa faute. Mais il y a un concert à décembre au Palais de la Culture quand même. Ah ouais. Ah. Bonne information. Ah, bonne information, quoi, la 4000 places. Oui. Hey. Décembre, Didier Yéman attaque le Palais de la Culture. Il va gober ça. Il faut toujours relever les défis. Ah, il y a au moins 800 qui ont pris. Ah, ouais, quand même. Hein. Quand même. Quand même. Oui, quand même. Il y va rapidement. Mais pas plus donc, que le Kada. Tu coupes pas comme Kada, toi tu vas rapidement. Non, Kada lui, ça vole. Il y a Kada lui couche sur son ventre. T'as que tu couches sur son ventre. Ouais. T'as vu un homme couche sur son ventre. Tu couches sur coup. Oui. Ah, bon, ok. Ah, c'est bon. Il y a Kada qui fait comme ça. Et puis il fait son pire. D'accord, il y a ça. En tout cas, le conseil, c'est que mes gens vont sortir. Alors, donc dis-moi, puisque tu annonces là, en prélude, ton concert en décembre, quel est le message que tu lances là, derrière la caméra? Tu lances le message à tous tes fans. En tout cas, la famille, c'est Didier Yéman, c'est la pression, c'est Wawadede, c'est ambiance, c'est Dengri Mabio, c'est Chris Moulet, c'est beaucoup de son. Donc ne vous dites pas que l'artiste là vient d'arriver, il ne peut pas faire de live. Impossible. Tu vas sur beaucoup de chaînes télé. Je fais des lives là-bas, il n'y a pas de bruit. Si tu veux encore plus de confirmations, on se prend en décembre, tu prends ton ticket. Les tickets vont sortir bientôt, l'affiche et tout, la communication sera bien faite. C'est que si on est ensemble, il n'y a pas de bruit. Trop. Alors, on peut. Tu as déjà la date ou pas encore? Il y a déjà la date, mais il y a gap du toit, donc pour l'instant tu ne la prononces pas. Ok, justement. Super top. Alors Didier Yéman, notre émission va bientôt tirer à sa fin. C'est fait un plaisir de te recevoir parce que c'était plus un entretien de causerie que toute autre chose. Parce qu'on voit que tu es un jeune qui est très posé. Et souvent dans Fafa, le soir, tu sais, c'est beaucoup de coups, mais toi, il y a pas beaucoup de coups quand même. Bon, à part la fin des marraines. Hey alors, Didier Yéman, c'est là. Aujourd'hui, dames et messieurs, nous avons reçu l'artiste Didier Yéman. Il vous donne rendez-vous du côté du Palais de la Culture bientôt pour son concert. Confirmation, il a beaucoup de titres et de hits à son actif. Je vous le conseille fortement parce que c'est un artiste très pétri de talent que j'ai eu l'occasion de suivre dans pas mal de choses. Donc je vous le conseille, n'oubliez pas, il vous l'a dit en décembre, apprêtez-vous parce qu'il viendra en force. Alors big up à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Restez toujours connectés, sortez toujours couverts et n'oubliez pas de suivre l'émission Fafa. Partagez sur toutes les plateformes, on est ensemble avec vous, on demeure ensemble parce que dans l'ensemble, on se ressemble jusqu'en décembre. Yumi. Merci de nous suivre tous les samedis à 12h et on rediff les dimanches à 17h sur le canal 209. Merci à Soko Santiago, à Nibé Junior, à Clovis, bien sûr, et puis à ma maquilleuse Hermance Guidi. Voilà, si j'ai sublimé comme ça, c'est elle quoi. Soulever, déposer.